En descendant la rue de Rennes, je mordais dans mon pain avec tant d'émotion qu'il me sembla que c'était mon cœur que je déchirais intérieur flamand tous les soirs. Il fallait prendre l'air, inspirer fortement, aspirer un bon bol d'oxygène avenu, ANT de se coucher. L'oxygène est plus rare en ville. C'est nécessaire quand on est petit, pour être en bonne santé. En général, il n'y avait pas de soleil, c'était à Audergem, dans les terres tempérées, en direction du nord. C'était presque toujours l'hiver, la lumière changeait très peu, il y avait toute la journée une grisaille douce, un brouillard associé à l'humidité de l'air, ce genre d'humidité si mauvais pour la gorge. À 6 heures, parfois même dès 5 heures, vers la sortie de l'école, des enfants respiraient et jouaient dans l'immobilité de l'air du soir. Ils couraient, se glissaient derrière les tuyas, dissimulés dans la pénombre, dans une sorte d'entre-deux provisoire et très doux. C'était un assez grand jardin, un jardin de ville dans lequel tous les enfants de l'immeuble avaient le droit de jouer. Ils descendaient en contrebas de la rue Émile-Lebon par une pente assez raide. L'herbe était écrasée par les ballons 1591 à Silm Purlu au sud au Mui situé aux UOGISM TISNSRIUM au SUJU au XNES au JISANAS NISANS, UOSAN BIA CROT PAO SELA MASI EXNAJ SIONI au SOWA au ALAS DU ROL au JIMOL LUO JASLAD DESAS. AONOS INTPTAPRIAGI DAME ANOYA EN WANUANDU, S. ALTIASE O NEPAL SNSANU A ALUOM O A 0h11 JIEJ NOA OMO LULO IOS OTO 08.0 INS SWADAN SUD TSA UAGI ALPO JI OMBAN OLSA DELOS O AN WANUS OZOT PSWAT YOTU AN OSN JIDT O AO YO O ATIN JUJI TUET YON FU ARU EZO AKIO AN AAN SATUS NUT SOLO NPSI WAI NUN SEPL PU AO SON AISU EO JIAN PSI WAT NOLAN KOLAI TUNI Otio reculate a opnvis a os nepal somalibus wa sol pas a iam jimami du ilu o csmtuml u sol a o iu su jialata sages o ilunuk talas u opupu utu alopa as wa iwa exu a jisud lu los nu a o sel e mat so alti su olopus lpo o adjujo a stm if i zero iam sa situ a rop u o l o u u o s o solidu lx te premier turto a ent son sno lunu o N. B. Son Yod Sol So A. U. O. S. P. Salan Uni Soa Si Po 2 A 0 I A N A L Clo La Ma E A N D A Pia Si E L E N W A B J O A P O J I X A N O T N O A O M P S O A I Z I N O A S L U J A S O A S P O A 11 P O A 10 111 P A I S O A R U S O A X U O L U C I S D I K O G A A T I O S O M N O U S D E L U O S O A L U O T I O R E N A X A O T I S I S O L U O X P I S I N O S U L O L U E O U A S L U J U O S O A J I E M I A S U D O A N O C L U O L M A N U X O T U O K U O E P U O P S O E S E N D E C O L U O U A N D I L'otitu on lui a eu à agir un épal lui au alio à INB sous eux à asso so armon sol so M2XNO in puo a odeo en tumo a nop lo si o albatula MOLP il d'axas no pédesso so lui el de lags no sol a nu à montre des billes. Ils jouent aux indiens, ils jouent aux loups, ils attaquent des camps ennemis, ils chevauchent dans une plaine où la nuit tombe comme par hasard, mais ils sont armés. Les plus petits, par terre, ont ramassé une feuille, quelle que soit la saison. Il reste toujours des feuilles tombées. La seule différence est qu'elles sont plus ou moins vieilles, plus ou moins sèches. Le dessin des nervures est plus ou moins visible. Accroupis, les petits les observent d'abord. Ils les tiennent dans leurs mains. Puis ils les sucent pour mieux apprendre à les connaître. Les vieilles feuilles tombent en morceaux. Les jeunes feuilles sont humides et lisses comme du plastique. Le goût en est âcre. Si des personnes ayant dépassé l'âge de 16 expériences veulent en avoir l'idée. Le goût est à peu près celui de la salade de feuilles de chêne. Rentrez crient les voix des parents, les voix des dieux du monde, les voix de l'ordre. Voulez-vous bien rentrer tout de suite? Il va faire nuit, maintenant, vous exagérez. Mais ce n'est pas nous, pensent les enfants, en pleine activité. C'est le soir qui exagère. Le soir, il arrive comme partout, dans ce pays du Nord, que le ciel soit extrêmement rouge. Il arrive qu'on voit le rouge du soleil à l'intersection des nuages. Entre les toits, les cheminées de briques lient d'où sortent des fumées, les antennes de télévision, les vasistas. Si des personnes veulent avoir l'idée de ce qu'étaient les toits de cette ville, il suffit qu'elles regardent le début de Mary Poppins. Le début de Mary Poppins en donne une bonne image. Certains jours, au-dessus des toits, le soleil avait la forme d'une boule, d'un rouge qui faisait mal aux yeux. Un rouge tellement plus vif que celui du cœur. Car le cœur, contrairement à ce qui est si souvent dessiné, est rouge sombre, il a la couleur de la viande, la couleur du beefsteak. Contrairement à ce qu'on dit, le cœur n'est pas très beau à voir sans onze. Il ne faut pas exagérer, crient, des balcons, les indieux du monde.
C'est incroyable tout de même, on ne va pas continuer à s'égosiller comme ça. Voulez-vous bien rentrer tout de suite? Si vous ne rentrez pas, les loups vont vous manger. Vous allez voir. C'est faux, mais malgré tout, les enfants capitulants. Ils rentrent dans le hall de ce petit immeuble, ils allument le plafonnier, ils essuient leurs chaussures, ils les frottent avec soin sur le paillasson. As-tu essuyé tes chaussures sera le premier mot des dieux. Ils appuient sur le bouton de l'ascenseur. Loup ou pas, il faut bien se faire une raison. Alors, la petite fille s'assoit à son bureau, elle sort sa trousse, elle tire la fermeture éclair, elle ouvre son cahier. Racontez votre meilleur souvenir de vacances, est-il en général écrit? Elle soupire. Elle remue les jambes sous la table. Elle suce la gomme qui couronne son crayon. Elle en profite pour éprouver tout un ordre de sensations interdites. Le goût si rare, si savoureux, des choses incomestibles, des plastiques. Les yeux mi-clos, comme un gourmet mange à très petite dose le caviar. Elle goûte la gélatine finement alcoolisée, au suave goût d'éther, de sa colle sécotine. C'est délicieux. Il paraît qu'on peut en mourir. Elle soupire à nouveau car il est écrit « Racontez votre meilleur souvenir de vacances » et elle n'a aucun souvenir. L'odeur du repas du soir monte de la cuisine. À cette heure-là, tout est confus, les choses se mêlent, une impression de nuit et l'odeur du bouillon, les feuilles qui tombent par la fenêtre. Il en tombait tellement que, dans la rue, des hommes en uniforme venaient les ramasser. Ils grattaient les trottoirs en ciment avec de grands balais à griffes et ils faisaient des tas en dessous des réverbères. À toutes les fenêtres du quartier, des chats, assis sur leur derrière, les observaient, ou des enfants debout, avec leur dernier jouet un ours ou un camion, écartant les rideaux d'un pouce humide, songeur. Le genre de pouce qui sent l'arrivée de la nuit. Les enfants enviaient les balayeurs. Eux aussi auraient aimé faire des tas. Ce doit être si doux, d'un mouvement lent, avec le grand balai qui gratte un peu le trottoir, de pousser les feuilles. La petite fille aimait les tas de feuilles de couleur claire, légèrement phosphorescent dans le noir. Comme elle avait peur de la nuit, elle aimait tout ce qui nous procure de la lumière. Quand il était dedans, elle aimait regarder dehors. Qu'est-ce que tu fais encore? Disaient les dieux en soulevant le rideau. Si tu n'as pas fini ta rédaction, tu sais ce qui arrivera. Tu seras la dernière de la classe. Et plus tard, tu dormiras sous les ponts, comme les clochards. Tant pis pour toi. Tu es prévenue de c'était une enfant assez douce, plutôt grande pour son âge. Elle grandissait régulièrement chaque année, on pouvait mesurer sa croissance aux orlaies étagées au bas de ses robes, comme on mesure l'âge des arbres. Ce processus qui s'accomplissait indépendamment de sa volonté donnait beaucoup de satisfaction autour d'elle. Les dieux aiment que leurs enfants grandissent. En conséquence, tous les 6 mois, ils mesuraient la petite fille au centre pédiatrique de la chaussée d'Ixelles. À l'issue de cette expérience, il la félicitait. Elle n'en tirait aucun plaisir, on la comparait à une girafe. Or, les girafes sont encombrantes et plutôt disproportionnées. Elle se faisait trop remarquer, les grandes personnes ne l'invitaient jamais à venir s'asseoir sur leurs genoux, car elle avait des os longs et pointus, qui auraient pu blesser. Elle était placée avec les garçons, qu'elle n'aimait pas beaucoup, au dernier rang des photos de classe. La petite fille se souvient des longs doigts du docteur palpant son torse. Des taches de rousseur et des poils les recouvraient jusque sur les phalanges. La main avait l'air d'une patte d'animal, chaude et tachetée. Tout était blanc, au centre pédiatrique. Le docteur prenait une cuillère en bois, appuyait sur la langue, tout sautait, ce qui faisait sortir le silence. Il y avait un lavabo, un pèse-personne, des flacons de mercurochrome et des ciseaux à bout pointu. Retenant sa respiration, la petite fille tendait avec bonne volonté vers le docteur sa rangée de côtes vincaillantes, d'une solidité à toute épreuve, pareil, se disait-il, toute proportion gardée au torse des diplodocus. Puis elle montait gracieusement sur la balance dans le simple appareil de sa culotte petit bateau. En général, les dieux se montraient moins satisfaits que de l'expérience précédente. Ils parlaient entre eux à voix basse en la regardant de côté. La Titi savait les mots qu'il prononçait et elle se mettait à trembler. Ces mots étaient « Opération des amygdales 3 ». Les amygdales sont deux petites glandes qui occupent le fond de la gorge. Un genre de cerise. Il arrive souvent qu'elles s'enflamment, gonflées empêchent de respirer. On tombe malade. Dans ces cas-là, il faut couper. Ça va très vite, disaient les dieux en enfilant les manches de la norac. C'est une toute petite opération. 3 fois rien, on vous fait une piqûre. On vous endort.
On passe une nuit à l'hôpital. Après, on mange des glaces. Il y a même des avantages. On manque un peu l'école. Dans ce genre d'opération, il fallait voir aussi les bons côtés. Il y a toujours de bons côtés. Au revoir, docteur. Merci beaucoup, disaient les dieux en enfonçant le bonnet. D'ailleurs, un grand nombre d'enfants étaient opérés. Si on comptait tous les pays du monde, ça devait bien faire des milliards. Ils s'habituaient et ils n'en faisaient pas des drames. Les dieux hochaient la tête, déçus, en 21 rêvant aux enfants courageux qu'ils auraient tant aimé avoir. Mais la petite fille faisait des drames. Elle pleurait silencieusement sur la chaise en formica du docteur, et plus tard, à l'arrière de la déesse noire. Elle n'essuyait même pas l'eau qui coulait. Les gouttes tombaient sur ses genoux. Elles étaient rondes et chaudes, ses jambes pendaient toutes molles, l'été par ses chaussures à semelles orthopédiques comme les sabots des petits ânes. Elle montait dans son lit avec dans le nez cette odeur de sel et de morphe qui accompagne le désespoir. D'abord, elle vérifiait que le lit était bien appuyé au mur, de manière à ce qu'il n'y ait aucun emplacement pour un assassin ou un ogre. Quand elle avait acquis une certitude, elle se couchait en rond, suçant le coin du drap, et elle pleurait. Cette petite fille ne s'habituait à rien. Elle sursautait chaque fois qu'on ouvrait une porte. Elle n'osait même pas remuer dans le noir. Immobile, retenant sa respiration sous les draps, elle écoutait les bruits, qu'on fumait réguliers, qui venaient de son ventre ou de son cœur. On la consolait peu, probablement à cause de sa taille. On avait tendance à lui dire qu'elle méritait ce qui lui arrivait, les écorchures, les bleus au coude et aux genoux. Même les opérations, il n'y a jamais de hasard. Tout est logique, disaient les dieux, les bêtises ont leurs conséquences. La loi était de marcher calmement et de demander tout ce qu'on voulait obtenir. La loi était de ne pas montrer trop d'exigence. Il fallait travailler, pour ne pas finir sous les ponts, il fallait surtout obéir. Le bonheur nécessairement s'ensuivrait. À Odergem, le monde avait un ordre, toute faute entraînait une sanction qui pouvait venir des 14 semaines, même des mois après, atteindre des domaines très éloignés, et parfois même, en apparence, incompatibles. Car les rapports entre les os débordent de beaucoup leurs relations visibles. Ainsi, les mauvaises notes semblantes provenir d'un manque de travail, mais c'est l'explication la plus superficielle. Le plus souvent, une mauvaise note sanctionne une désobéissance oubliée. Dieu, quant à lui, n'oubliait rien. L'œil était dans la tombe, clamait solennellement les dieux, et regardait Cain. Aussi, chaque fois que sa moyenne trimestrielle avait baissé, et que son père faisait des difficultés pour signer son carnet scolaire, la petite fille savait qu'elle était coupable. Tiens, tiens, ce n'est pas fameux en calcul, faisait remarquer Monsieur Aubin. Que se passe-t-il? Pensif et soupçonneux, il suivait du doigt la colonne, désignait de l'index les notes les plus basses, l'air d'un commerçant surprenant un voleur, l'air de Dieu repoussant dans la partie gauche du jugement la foule compacte des damnés. J'aimerais beaucoup que tu m'expliques. La petite fille, assise sur le tapis, s'efforçait de tenir le moins de place possible avec beaucoup de sensibilité. L'inquiétude lui serrait le ventre. On aurait entendu une feuille tomber, un rayon frapper le mur, un merle se poser sur un fil. J'attends, disait Monsieur Aubin, tandis que les feuilles tombaient avec douceur sur le quartier. Aussi, le plus souvent, prévoyant des difficultés, 23 desquelles avaient tiré le bulletin du cartable, la petite fille prenait les devants, prétextait une urgence, et partait s'enfermer au cabinet. Elle restait là un certain temps, assise sur la cuvette, dans l'ombre, à l'abri des reproches, paisiblement foreclose en son intimité, quatre un jour, il y a longtemps, ses jambes étaient encore un peu molles, insuffisamment protégées par des chaussettes qui n'atteignaient pas ses genoux, ou peut-être avait-elle simplement couru vite, déclenchant le fameux engrenage des causes et de leurs conséquences. Elle tomba sur le coin aigu de la marche du hall et cette chose affreuse, Segner, lui apparut. Il faut noter l'importance de ce jour. Pour la première fois en effet, l'intérieur humide et secret de son corps avait rencontré le monde, la terre et les cailloux. Dans le tissu de sa peau, une lésion fut commise. Il y eut un trou d'où sortirent plusieurs perles rouges, une insupportable sensation de brûlure s'ensuivit. Dans la douleur, pour la première fois de sa vie, la petite fille s'ouvrit au monde. Elle était blessée, et elle avait pleuré immédiatement. Pourtant les gouttes étaient brillantes, belles comme du jus de groseille, de la couleur du sirop rose vissé qu'on lui donnait comme fortifiant. Mais elle avait beaucoup de mal à comprendre qu'il y eût une si grande différence entre l'extérieur de son corps,
qui était long et plutôt pâle selon les jours, on comparait cette petite fille à une autruche ou une asperge, et l'intérieur, si obscur et si rouge. La petite fille n'aima pas l'intérieur, il était de la couleur du diable. Heureusement, le sang ne coulait que dans des circonstances très rares. Elle avait beau chercher, elle n'en voyait jamais par terre. Le sang fait peur, on les suit tout de suite, c'est une saleté qu'on cache. Iyael habitait une rue plantée de cerisiers du Japon. Au printemps, ces arbres se couvrent d'une peluche rose, intense, presque criarde. Les regarder fait mal aux yeux dans la lumière. On aurait dit que des oiseaux à plumage exotique s'étaient abattus sur la rue, des flamands. La floraison des cerisiers était la seule beauté de ce quartier tranquille, au Dergem, au printemps. Les gens venaient de loin le dimanche pour admirer les cerisiers. Ils se promenaient, tiraient la laisse des chiens pendant que ceux-ci faisaient pipi contre les arbres, et regardaient en l'air. Ils se montraient les plus belles branches. C'était inattendu, ces fleurs si roses sur ces branches grises, souvent mouillées. Quand le soleil brillait, l'abondance des fleurs l'empêchait de chauffer le trottoir. L'air était frais, mais doux. Sous le ciel bleu, le bas de la rue était sombre. Aux emplacements des cerisiers, le trottoir avait l'air couvert de nuages. Les après-midi de beau temps, les promeneurs achetaient des glaces vanille et fraises ou vanille et chocolat au marchand de glace américaine Mitter Johnson qui stationnait à l'angle. Chocolat goût, fraises étaient plus rares. Plus audacieux, plus riche en la voiture de Mr. Johnson était rose et flanquée, au lieu de lanterne, de deux faux cornets de glace qui reproduisaient en plastique l'enroulement d'une crème glacée bicolore, conique, onctueuse. La glace américaine présente une matière tendre et stylisée, sorte de flambeau ou de crête neigeuse, qui satisfaisait la petite fille beaucoup plus que les équivalents ronds, embumés de vapeur de congélation, mal jointoyés que présentent les glaces belges. Aussi la petite fille, observant la voiture du haut de son balcon, à travers les branches de cerisier, rêvait à l'Amérique, où vivaient Mickey, John Wayne, et l'actrice Olivia de Havilland, ses idoles. C'était un quartier bien tenu. Les halls d'immeubles étaient régulièrement lavés à grande eau. On voyait derrière les rideaux les formes sombres des fauteuils club, celles des caoutchoucs qui poussaient près des radiateurs, et les silhouettes des mères penchées sur leurs casseroles. Entre la vitre et les voilages qui garnissaient les beaux windows étaient posés des vases avec des bouquets de fleurs, des poupées folkloriques, des chats vivants qui regardaient la rue. Les chiens de ce quartier étaient tenus en laisse, ils ne mordaient presque jamais. Simplement, quand ils s'approchaient de la petite fille, ils tiraient sur leur laisse pour pouvoir renifler son odeur. Elle sentait la langue et le souffle chaud sur ses cuisses. Ses cuisses se couvraient de chair de poule, son cœur battait fort. Mais comme on le lui avait expliqué, plus elle avait peur, plus les chiens sentaient son odeur, plus il sentait son odeur, plus il avait envie de la mordre. C'était un engrenage terrible. Une dame était attachée à cette petite fille par un lien spécial. Elle lui préparait ses repas, la conduisait au quart de ramassage scolaire, qui s'arrêtait à l'angle de la rue. En face de l'endroit où stationnait Mr. Johnson, elle allait la chercher le soir, au même arrêt, la grondait, lui donnait des gifles quand c'était nécessaire, et lui coupait sa viande lorsque c'était trop difficile. En effet, le couteau à bourron qu'on donnait à la petite fille dérapait sur la surface grillée du beefsteak. Mais le couteau de la dame possédait une face dentelée qui tranchait efficacement le morceau, laissant apercevoir sous sa surface durcie, coagulée, exactement semblable à la croûte des écorchures, une chair rouge, qui était le sang de la vache. La vache, comme la petite fille, et de manière aussi imprévisible, se trouvait donc remplie de sang. Fini ta viande, recommandait la dame tous les matins. Cette dame posait devant la petite fille un bol de lait sur lequel était dessinée une vache, vivante cette fois, grasse. Lestée de deux énormes pyroses boîtes au lait, conseillait la dame. La petite fille s'adonnait à l'observation désespérée, quoique scientifique, de la vache et en particulier à celle des pies, qui constitue une partie intérêt 28 propre à cet animal. Puis son revenait au lait lui-même. Sa surface blanche, une fois stabilisée, était d'une pureté trompeuse. L'examen attentif révélait en effet l'ascension de fines particules, presque solides, d'un blanc de nacre, aussi sournoise que les poussières, quand le soleil de fin d'après-midi éclaire un peu trop les maisons. Ce soleil de l'après-midi révèle la chute oblique de choses minuscules, les fins cheveux de l'atmosphère, les microbes.
La peau du lait était un signe d'imperfection qui désolait la petite fille. Mais la dame saisissait la cuillère, brassait le contenu du bol, brouillait le tout, et affirmait « Bois ton lait, il n'y a jamais eu de peau, ce sont des caprices ». La petite fille soupirait. Elle savait qu'une fois la surface immobile, les fines particules recommenceraient à monter. Pourquoi mentir? On la trompait surtout, on ne lui disait jamais la vérité. Ses jambes se balançaient sous la table avec une régularité de métronome, battant la mesure d'un temps de révolte, d'un temps entièrement personnel. Elle sentait monter en elle la haine des sans-culottes contre les tyrans, celle des orphelins des comtes contre leurs marâtres. Elle louchait à force de fixer la vache. « Si tu ne bois pas ton lait, tu auras une fessée », observait la dame. « Tu le sais pourtant, les dieux ne buvaient pas de lait. » La blancheur mince et écumeuse qui s'observait à la surface de leur café était due au contraire, et paradoxalement, à une surabondance de la noirceur, à l'excès du noir. Le fin cristal du sucre s'y désagrégeait, se teintait de précieuses couleurs d'ambre, s'y défaissait en dessus suave et sirupeux canard. La petite fille enviait aux dieux leur café noir, brillant comme l'encre, conservé dans des tasses minuscules 3 onces 110, malgré l'épreuve du bol de lait, c'était à cette dame qu'elle confiait ses pensées. C'était la main de cette dame qu'elle tenait pour traverser la rue, et pour ne pas se perdre dans les magasins. La dame portait en général un manteau de laine bleue marine, et un jour, la petite fille, trompée par une ressemblance, avait traversé le plus grand magasin du centre en tenant l'ourlet d'un manteau de la même couleur. Cet épisode, vu de l'extérieur, aurait pu faire le sujet d'un film comique. Dans la réalité, il a laissé une impression épouvantable, on avait appelé son nom dans un haut-parleur. Toute tremblante, elle avait été hissée sur une estrade. Des personnes inconnues lui avaient posé des questions. Elle avait été présentée à tout le magasin comme une enfant sans mère, comme un ours à la foire. Certains souvenirs sont une pente qu'on ne remonte jamais. Dans ces souvenirs, la petite fille marche dans les rues, à côté de ces dames minces, en bleu marine. Elle se tient droite et elle rentre son ventre par un scrupule d'éducation. Elle respire par le nez pour prendre un bol d'air frais. Elle se rapproche dès qu'un chien apparaît à l'horizon. Elle donne la main, et par moments aussi, elle ne sait même plus où elle va parce qu'elle se raconte des histoires. C'est agréable. Elle est confiante. Rien ne peut lui arriver. La main était recouverte d'un gant que saisissait avec délicatesse, sans trop serrer, la petite fille. Et ainsi, par ce gant, elle était reliée au corps marchand à côté d'elle, elle en constituait en quelque sorte l'extrémité vivante, l'appendice. « Maman », pensait la petite fille chaque fois qu'elle apercevait au loin le fameux manteau bleu marine, et parfois même encore, maintenant, quand elle croise dans la rue certaines de ces femmes minces et pâles, en manteau sombre, des femmes timides et distinguées, ceci arrive, le mot surgit, « Maman, c'est comme tomber, c'est comme saigner ». Elle reconnaissait son parfum qui était celui de l'eau de Cologne impériale, elle connaissait ses proportions, son tailleur à col de renard, la longueur de ses doigts, l'emplacement de l'alliance et de la bague de fiançailles. Elle savait que son épaule gauche portait, comme une fleur de lys, la cicatrice du vaccin diphtérie tétanos polio, que son sac était doublé de satin, qu'il avait un fermoir doré. L'épaule de la petite fille présentait en plus petit la même cicatrice. Elle aussi était vaccinée, elle aussi possédait un petit sac, réplique du précédent, en plastique. Elles se ressemblaient donc, elles étaient adaptées l'une à l'autre car on avait raconté à la petite fille qu'elle était sortie autrefois du ventre de cette dame. Elle en avait bien ri, elle avait passé l'âge du Père Noël. La dame avait un ventre plat le long duquel, tous les 31 matins, elle remontait sa fermeture éclair. Aucun objet n'aurait pu s'y dissimuler. Et un PTHS, à petit Y sentait qu'elle avait toujours existé, comme le lait et la viande, comme les cerisiers du Japon tout chiffonnés dans le soleil, comme in les pigeons, comme les cheminées, comme les caoutchoucs d'intérieur. Elle avait des jupes écossaises en hiver et, l'été, des robes de Vichy bleu ou rose. Comme le montrent des documents et des films, sa peau était de couleur pâle, ses lèvres à peine plus foncées. Sa bouche ovale présentait dans sa partie supérieure de petits renflements, il arrivait souvent, malheureusement, qu'elle oublie de la fermer, ce qui lui donnait l'apparence d'une personne plutôt sotte, ou d'une personne qui a besoin tout simplement de se faire opérer des amygdales. Elle arrivait tout juste au niveau des fenêtres. Le front, simplement, dépassait, avec les yeux juste en dessous, attentif, d'un brin tirant sur le noir.
Derrière elle, les rideaux formaient comme un voile qui sentait la lessive, la poussière. Nimbée par le rideau, elle s'offrait à la rue comme une poupée derrière le plastique de sa boîte. Ses yeux remuaient sous le front clair. Les pupilles tournaient lentement dans le blanc, parcourant tout le champ qui leur était offert. De son observatoire entre vitres et rideaux, la petite fille regardait le monde avec beaucoup de réserve et de méthode, que ce soit les damiers de la pelouse, les ronds de terre dans le ciment d'où sortaient les troncs de cerisiers, les personnes à talons aiguilles marchant sur le trottoir, ou le mouvement d'une grue arpentant largement l'atmosphère, la chance ébrille comme des morceaux de sucre énormes, la grue déplaçait sur un mur le faisceau oblique du nombre, et la même ombre oblique élonnée. Quand vous étiez tout seul au bord de la fenêtre, on aurait dit qu'elle vous rayait le sœur. 5. C'était la fin des années 60. À la télévision, on regardait le manège enchanté, Bonne nuit les petits, Thierry Lafront des oraux. On chantait, un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Les pères avaient des amis 6 ou des DS au phare qui tourne. La nuit, les phares mobiles des voitures rasaient les bas-côtés, éclairant de blanc les troncs d'arbres, les routes fermées par un triangle au bout de l'horizon, et les moucherons en suspension dans l'air noir. Des moucherons venaient se jeter sur le pare-brise, s'y écrasaient et mouraient violemment. Mais les enfants ne pouvaient pas mourir. En ce temps-là, leur mort était impensable. On les installait à l'arrière des voitures, bien en sécurité. De leur place, ils voyaient le dos des dieux, leurs chevelures peignées, et, sur les bas-côtés, les talus alternativement plantés d'arbres et de maisons. Pour se distraire, ils chantaient ou posaient des questions idiotes. Quand ils en avaient assez de cette perspective, ils s'agenouillaient sur la banquette arrière et regardaient le paysage glisser dans l'autre sens. Nez écrasé contre la vitre, silencieux et hilar, chaque fois qu'on doublait, ils tiraient la langue 33 aux personnes des autres voitures, et aux chiens, quand il y en avait. Tirer la langue aux chiens, c'était une belle revanche et une extrême satisfaction. De dos, les chiens avaient l'air de jeunes femmes à couettes, surtout les épagneuls à cause de leurs oreilles touffues, ou les cockers, sous leur belle apparence. Les cockers sont des chiens hargneux, qui vieillissent mal. Eux aussi se tenaient très droits, les griffes plantées dans le coussin, la truffe perlée d'une sueur légère. Mais dans une voiture bien fermée, roulant à 100 à l'heure, tous les chiens sont inoffensifs. C'était le progrès, le milieu du XXe siècle. Les routes du monde étaient lisses. Des lignes jaunes les partageaient et semblaient dessiner sur la face de la Terre l'image de l'infini. Les vacances confinaient à l'éternité. On emportait des bouées pour aller à la mer et, quand on les gonflait, elles prenaient des couleurs de bonbons translucides. C'était une merveille d'être un enfant à cette époque. On allait voir au cinéma Blanche-Neige de Walt Disney. Les personnages ne se faisaient jamais mal quand ils tombaient par terre, les fleurs et les arbres parlaient. Les pelouses étaient douces comme des coussins verrins dans l'angle gauche du salon, entre les voilages en nylon qui embuaient légèrement les fenêtres, donnant à ce qu'on apercevait de la rue cette étrange clarté d'opaline. L'écran de la télévision abrité par le grand caoutchouc restait le plus souvent vide et mat, plein de sa mystérieuse pulvérulence en suspens un peu comme un cosmos dans l'attente de l'imprévisible fiat. Sauf le dimanche, pendant le film de l'après-midi. À la fin, une musique émouvante annonçait la mort du méchant. Le visage de l'acteur principal s'approchait lentement de celui de l'actrice. Ils s'embrassaient. John, articulait l'actrice d'une voix suave, au accent circonflexe John, en chaussons de feutre pour ne pas salir le salon, seul, presque toujours, les jambes étendues sur le canapé. La petite fille observait avec intérêt ses mœurs bizarres. Les dieux ne s'embrassaient jamais d'une manière aussi théâtrale. Dans son esprit, l'amour était une pratique distinguée, un rite merveilleux. Purement télévisuel, 35 ans le baiser se prolongeait, elle fixait ses chaussons avec un peu de gêne. Du cinéma, se disait-elle, pour se rassurer.
Armand Lebon était tué. Sa mort causait une poignante déception, une mélancolie distinguée, d'une nature plus raffinée que celle qui suit les films ordinaires. La petite fille sentait confusément la beauté trouble de cette injustice. C'est une fin triste, pensait-elle, mais c'est un très beau film. Elle pleurait, et le souvenir lui restait plus longtemps. Après le film du dimanche, les lampes de la rue s'allumaient et les gens qui avaient des chiens sortaient pour leur faire pipi. Les fenêtres prenaient cette teinte pâle des ampoules qui luttent contre la clarté du jour. En général, les gens soulevaient les rideaux avec l'air fatigué, les yeux un peu battus d'avoir fixé longtemps l'écran dans le noir. On ne savait plus bien quelle heure il était. On avait du mal à revenir sur Terre. Souvent, il avait plu, la nuit était venue sans qu'on s'en aperçoive. Les trottoirs brillaient, les branches d'arbres paraissaient polies, et de petites gouttes brillantes maculaient la vitre. Chacune d'elles semblait contenir en abîme la lumière jaune des réverbères. Les personnes les plus courageuses, celles qui n'avaient pas perdu de temps, se tenaient déjà sur le trottoir, au bout des laisses. Les premiers chiens se soulageaient, une patte levée contre les cerisiers. Parmi eux, on reconnaissait nettement Bibard, le chien du cinquième. On voyait briller la vitrine de la pharmacie avec deux mêles. « Je vous aime à la folie, je n'ai jamais vu de personne aussi belle. Je vais vous prendre dans mes bras, » disait John Wayne à la petite fille. « Oh, John, » répondait la petite fille, entortillée dans un rideau, roucoulante et très satisfaite. Puis elle battait langoureusement des cils, se détournait de cet air maniéré et de lent qu'on observe chez les actrices, et parcourait du regard la plaine du tapis sur lequel on passait l'aspirateur. La brosse frottait la laine, puis elle glissait sur le parquet avec un changement de régime, se frayait un chemin entre les jouets répandus, heurtant les angles ou floconnant les duveteux pissenlits de la poussière. Car le ménage était en cours, heure délicate pour les chats, leur critique les enfants comme pour cette catégorie d'êtres paisibles aux occupations domestiques. En effet, le ménage rend les dieux irascibles, les enfants et les chats se sentent l'imagum beaucoup plus seuls, ils ne peuvent espérer l'indulgence, ni la tendresse. Le ménage met au jour le désordre dont ils ont rempli la maison, le dérangement que leur existence occasionne. De deux choses l'une, ils vont salir, ou ont déjà sali. Quel travail, crient les dieux, toujours le même travail. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai dit 15 fois de ranger ton coffre. Comme toujours, à l'heure du ménage, les dieux perdent complètement le sens de la mesure. Aussi, l'heure du ménage est une heure que redoutent les êtres domestiques. Les enfants et leurs frères singuliers et muets, les chats des bow windows obligés de se lever, alors qu'ils étaient mollement étendus, le museau éclairé par les fragiles raies de ce soleil du nord, de ce soleil flamand. À l'heure où ils chauffent tout de même, mollement, certaines places, les endroits d'élection, pure délice pour le ventre et les pattes, à l'heure où ils blondissent les lattes d'angle du parquet. Les chats qui dorment et les enfants qui coiffent leurs poupées, qui font rouler de petites voitures à genoux le long des plinthes, en imitant le bruit du moteur à bouche fermée, une petite musique pour eux seuls. « Broum, broum », disent les enfants. Les enfants et les chats au cœur contemplatif. Dans le nord, à 3 heures de l'après-midi, la lumière est d'une qualité très rare, surtout l'hiver. Une lumière sans noyau, sans soleil, celle du royaume où sont assises les belles saintes des peintres primitifs, les saintes de couvent, enfantines et oisives, aux cheveux de rivière, sainte Barbe, sainte Ursule, sainte Catherine des Alexandrie. À cette heure-là, l'appartement avait été entièrement nettoyé, on était plus tranquille. Les rideaux de nylon moiré de la chambre mettaient une blancheur dans l'atmosphère. On jouait dans ce jour blanc, cette lumière hivernale, sans chaleur, des appartements dans les villes, lumière de briques et de canal, il semble qu'elle est restée depuis, nette et froide, celle de la vie intérieure. Quand il la voit, le cœur se reconnaît chez lui, à Audergem, dans sa patrie nordique. Tous les mercredis à 3 heures, les voisins du cinquième étage, Marion Van de Keerck et le petit frère Christian, descendaient jouer avec la petite fille. Très concentrés, se bousculant sans ménagement quand leurs intérêts se croisaient, ils poussaient leur voiture d'Inkitoys pour les télescoper en différents points de la chambre, habillaient frénétiquement les Barbies, ou montaient des murs de Lego en vue de construire des châteaux forts. Ils adoraient les vêtements des Barbies, ces miniatures exquises des choses réelles, ils maniaient avec volupté les brassières microscopiques, les fourreaux de lamé, les manteaux de la taille d'un mouchoir de poche.
Il touchait avec précaution et respect les petits tertres durs de la poitrine. Mais l'image des choses ne leur suffisait pas. Ils voulaient plus, ils s'efforçaient de restituer toute la réalité. Et pour cela, il leur fallait le bruit, sans quoi les choses sont incomplètes. Le bruit précieux qui les distingue, qui les fait reconnaître les yeux fermes. Ils imitaient le bruit des sacs à main qui se ratent, le bruit des talons hauts sur le trottoir, le bruit de pistolets, des avions à réaction, des klaxons, le bruit d'un doigt qui cogne contre une porte. Entrez, bonjour madame. Ils entraient dans la pièce, se saluaient avec cérémonie, s'asseyaient en croisant les jambes. Ils allaient chez le docteur, s'opéraient au moyen d'instruments en plastique d'une panoplie d'infirmières. Ils se donnaient la communion avec des bonbons créma à menthe et glisse. Quapus Christi, se disait-il, amen. Quand il voulait lui prendre ses affaires, Christian et Marion pinçaient la petite fille, ils lui griffaient la peau jusqu'à ce qu'elle lâche ses POS sessions. Elle résistait, des gouttes de sang apparaissaient sur le poignet meurtri, entre les filaments blanchâtres. Il s'injuriait atrocement à voix basse, il s'appelait bébé Kadom. Lorsque les dieux ouvraient la porte, présentant leur visage olympien et sévère pour s'informer de la situation, tous les trois se tenaient aux angles du tapis. La pièce montrait le plus grand désordre. Ils pleuraient, mais n'essayaient pas de se défendre, c'était d'ailleurs complètement inutile. La petite fille cachait son bras derrière son dos. « C'est quand même incroyable, se lamentaient les dieux, que vous ne puissiez pas vous entendre. C'est quand même malheureux, quand on avait votre âge. Les dieux avaient connu la guerre, ils laissaient un silence. » Pour jouer, ils n'avaient eu que des morceaux de bois et des oranges, et pourtant ils étaient contents, et ils se les prêtaient. C'était une autre générosité. C'était surtout une autre époque. Les dieux poussaient un petit soupir sec, 151 t, 24 ils se penchaient, le cœur brisé, le cœur des dieux, le vase où meurt cette verveine. Sans un mot, ils ramassaient les poupées, les éléments de Lego, ils empilaient les cubes dans le coffre, éparpillaient les puzzles à moitié faits. Oli disait les dieux, d'un ton exaspéré. Oli, puisque vous êtes aussi désagréable. Au regard des dieux, les enfants avaient toujours tort. Plus tard, bordés dans leur lit, ils pleuraient, ils méditaient toutes sortes de vengeances. Leurs yeux pleins de larmes brillaient, à la lisière des draps, essayant de percer le noir, comme ceux des chouettes. La petite fille détestait Christian et Marion, ils lui dérangeaient ses affaires, ils habillaient mal sa poupée. À 4 heures, ils buvaient de grands bols de lait au chocolat. La mousse leur en restait au coin des lèvres, ce qui accentuait leur apparence féroce. Pour arranger le tout, ils étaient les maîtres du chien Bibar. Chaque fois que la petite fille, sommée de se distraire et d'entretenir ses relations, montait chez eux par l'ascenseur, la mort dans l'âme, Bibar essayait de lui sauter dessus. Madame Van de Keerck s'exclamait en souriant, elle était blonde, très bien coiffée, et portait des bracelets en or. Elle retenait Bibar par le collier, et expliquait que c'était un signe d'amitié, pour vous lécher, pas pour vous mordre, ce qui appelle tout de même une distinction, regarde comme il est mignon, il est très affectueux, très joueur. Bibar, disait-elle au chien, donne ta patte. Sans écouter, Bibar continuait à s'agiter avec 41 111 111 111 brusquerie, sans délicatesse, sans âme, une vraie bête. On l'enfermait. Pendant toute la durée du jeu, la petite fille guettait son allaitement derrière la porte. Au moment du goûter, surtout, le chien grattait le bois et aboyait avec fureur. Il était appâté par les odeurs de sucre et les odeurs de cuisses d'enfant qu'elle préférait jouer seule. Là, personne ne la dérangeait. Personne ne troublait l'ordre de ses histoires de princesse. Elle exerçait pleinement sur Dorothée son pouvoir absolu. Elle sortait Dorothée du coffre. Elle lui choisissait des vêtements saillants, elle l'exhortait à la sagesse, « Bois ton lait », lui disait fermement la petite fille, « ou je me fâche ». Dorothée sentait la poussière et le synthétique. Son ventre était mou, il en sortait, quand on appuyait dessus, un maigre et filial couinement. Quand on la couchait, ses yeux d'émail bleu se recouvraient d'un petit couvercle de plastique bordé de cils de nylon noir un peu comme des soies de brosse à dents. Les yeux s'ouvraient quand on la redressait, et Dorothée avait l'air de vous regarder. Mais elle ne regardait personne. Elle possédait également des jambes articulées et un nombril.
Cette poupée est encore malade, disait la petite fille à voix haute. Elle me donne un souci, monstre 42, c'est fou ce qu'elle est désagréable. Elle fait sans arrêt des caries. EP, c'est le lavait Dorothée. Le vernis rouge qui colorait les lèvres minuscules s'effaçait que la petite fille était une infirmière. Elle soignait la poupée, lui enfonçait une aiguille dans le bras, lui faisait une piqûre, des inhalations. Elle désinfectait le bras avec un coton qu'elle allait mouiller premier sous le robinet. Parfois, elle se lançait dans une exploration plus scientifique. Elle désoussait Dorothée, lui taillait et démanchait les bras, et observait, par le double orifice, le volume creux et vide du torse. Parfois, doucement, rien que pour elle-même, elle chantonnait « Sacré Charlemagne où je suis une poupée de cire » en remuant les hanches comme les personnes de la télévision. Elle se faufilait dans la chambre des dieux et se plantait devant l'armoire à glace. Elle se fixait avec soupçon, se frottait le nez, c'était bien elle. Elle enfilait une combinaison de la dame à incrustation de dentelle, chaussait de vieux escarpins à talons, et faisait le tour du lit en équilibre, traînant les jambes, ventre bombé, et épaules droites. Elle découpait des figurines de mode ou des publicités avec ses ciseaux à bourron. En tirant légèrement la langue, en suivant les limites des bras, la forme compliquée des souliers. Découpant des foules silencieuses qui souriaient en tenant leurs sacs, des foules de dieux, des foules d'été, des foules d'automne. Elle entendait le bruit du compteur, les conduits d'eau qui se vidaient dans les étages, les gens allant au cabinet. Elle entendait la voix d'Elena Chostova, la voix signe bulgare, qui appelait son fils dans sa langue étrangère. Vania criait la voisine, Vania point, puis rien. Le léger gargouillis de l'eau dans les radiateurs, la lettre à hélice que recommençait sans arrêt, dans l'appartement du premier étage, un garçon à lunettes et blazer vert olive du collège des Augustins. Elle entendait la voix de la dame, au téléphone et maintenant, pour elle, cette voix est inaudible, si lointaine. Il lui semble qu'elle n'arrivera plus jamais à l'extraire de ce fond de bruits habituels, de bruits banals, ces robinets qui se ferment, ces tuyaux qui se vident, ces chanteurs dans les postes radio, Charles Aznavour, Jacques Brel, avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Elle guettait le bruit des gouttes qui tombaient d'un robinet mal fermé, on aurait pu le confondre avec celui de la pluie rabattue contre une vitre. C'était ainsi, à Audergem, les bruits d'eau pouvaient toujours faire craindre qu'il ne se soit mis à pleuvoir. Des museaux d'ânes et de dragons crachaient l'eau sur les toits de la cathédrale. Un Saint-Michel, couleur de suie, aux bras levés, avait des ailes déployées comme celles d'un papillon. Invulnérable comme Zorro, se dressait sur une grande affiche lumineuse l'homme du Porto San Demand, dont il semblait que l'ombre s'étendait sur la ville, ses rues en pente, ses maisons de briques à bob, windows dans lesquelles les lampes s'allumaient plus tôt que d'habitude, anticipant légèrement sur le soir 44 la pluie faisait trembler les reflets lisses des ampoules sur les flaques, crépitait sur les rues, sur les fils électriques. Sur les rails métalliques tram, sur les auvents des caisses des magasins de chapeliers, des magasins de parapluies, des magasins de fromage de Hollande, des magasins de vêtements pour enfants, de 0 à 12 ans, sur les arcs de triomphe, les chevaux de pied des chars de la Victoire, c'était une ville du Nord. La pluie la rendait presque noire quand il pleuvait et que la chambre devenait un peu trop sombre, chaque objet paraissant soudain s'alourdir. La petite fille posait ses jouets, rentrait petit dans la cuisine. Elle s'approchait à pas et s'appuyait à l'encadrement de la porte. Elle ne faisait pas de bruit sur ses chaussons de feutre. Toujours discrète comme un lutin, précise et neutre. La dame lavait la vaisselle, légèrement penchée sur l'évier. Elle chantonnait. On distinguait chacun des plis creusés par le mouvement dans l'étoffe pâle de son chemisier. Les premières gouttes se déposaient l'une après l'autre sur la vitre. Autour des mains gantées de caoutchouc rose tendre, des bulles se formaient, couvraient l'eau de leur souple réseau élastique, crevaient. Les mains gantées de caoutchouc sortaient les assiettes une à une, les déposaient sur l'égouttoir. La petite fille restait là sans bouger, elle aimait que la dame fût ainsi, les mains plongées dans un eau, doucement absentée, face à la fenêtre. Les deux 45 aiguilles tournaient à la surface du petit réveil. La plus grande semblait envelopper l'autre. À chaque passage de l'aiguille, de nouvelles gouttes se déposaient. Une goutte, un instant. Tous les enfants rêvent ainsi l'immobilité maternelle. Tous les enfants ont appris à regarder un autre être avec cette convoitise absolue, dans l'attente d'une consolation qui sera toujours incomplète. Tout est dit, dès ce moment-là, il n'y a plus rien à apprendre. Le mal est fait.
Une clarté pluvieuse, tremblante, venait de la fenêtre, mais l'ombre était à l'intérieur, l'ombre dans laquelle la petite fille, debout contre la porte, abolie, comme éteinte dans sa pure contemplation, paraissait ne plus exister. Elle tortillait le bas de sa robe. Elle attendait sans dire un mot, dans un confus besoin de tendresse. Tu es la demandait la dame. Que fais-tu? Tu ne vas pas jouer? Tu as mal à la tête? J'ai l'impression qu'il s'est mis à pleuvoir. Il pleut, redisait-elle, doucement au fur et à mesure qu'elle se déposait sur la vitre. Les gouttes perdaient leur forme nette, se diluaient en coulant vers les angles, petits étards inconsolables et transparents au dergem, une odeur chaude de gaufres et de friture flottait toujours plus ou moins entre les maisons, plus lourde que l'odeur des feuilles esquies pour riz, que l'odeur des briques, que celle du tram. Le tram avait des portes automatiques. Il sentait la fumée de cigarettes. Les pieds des enfants ne touchaient pas terre, et quand il arrivait qu'ils soient installés face à face sur les banquettes en imitation cuir, ils se dévisageaient en maintenant de leur main droite, avec fierté et modestie, les beaux ballons promotionnels qu'on leur avait donnés. La peau bien tendue des ballons portait des noms de marques de chaussures, ou le sigle du magasin Deleuze, un lion blanc sur un fond orange qui ressemblait vaguement au lion de Venise. Il lisait, réservé aux femmes enceintes et aux invalides de guerre sans comprendre. Leur cagoule leur tenait très chaud aux oreilles. Il voyait des publicités pour le chocolat banania, et pour les frites à la végétaline. Les frites dansaient avec des bouches rouges, des cils voluptueux, le torse scindé en deux jambes, ils tenaient toujours leur ballon, vers le haut, comme des ombrelles. Souvent, emportés par un coup de vent, les ballons s'envolaient. Ils montaient au-dessus des toits des maisons. Probablement, disaient les dieux, jusqu'à ce qu'un oiseau les fasse exploser de son bec. Il se produit beaucoup de ces accidents célestes, ne pleure pas, disaient les dieux, ça ne sert à rien. Dans les vitrines du centre-ville, de grandes femmes de plastique rose, aussi souriantes que les speakerines, présentaient des fuseaux de ski sur des bandes d'oie de cellulose, des manteaux à col de fourrure, ou des imperméables à capuchon. Les poupées étaient alignées, comme des ours gardant leur guérite, une boucle de cheveux scotchée au front. Il y avait des pyramides d'ours et de lapins à oreilles molles, des fans de caoutchouc aux yeux mélancoliques, des boules de verre épaisses comme des loupes, une neige en polystyrène bleuâtre tombait sur des chalets de bois, des sapins, des skieurs, des danseuses en tutu. Des hommes sans jambes vendaient des calendriers de Noël. « Ne regarde pas, disait-on à la petite fille, ce n'est pas poli. » Elle allait voir la place dorée et le Manecampi. Elle se plantait au pied de la fontaine et détaillait avec curiosité le petit jet frais et malpropre. « As-tu bientôt fini ?» disaient les dieux. « Ce n'est pas très intéressant, au coin des magasins. » Il suffisait de mettre une pièce dans un distributeur, et on obtenait, au hasard, une balle de ping-pong, un bonbon moule à pique qui chante, ou dans les cas de chance exceptionnelle, une bague de fiançailles en diamant. Au milieu de la place dorée, un homme jouait des valses sur son orgue de barbarie. L'homme avait un regard qui ne fixait personne. Il avait posé devant lui sa casquette à doublure écossaise. Au moment de Noël, l'homme jouait sous la neige. Les gros flocons tombaient dans la caquette, ils y fondaient. Elle espérait toujours que la neige allait tenir, gagner en épaisseur et en substance, estomper peu à peu la dénivellation entre la rue et le trottoir, couvrir la bordure triste des chaussées de Wavre et d'Ixelles. Encager d'une housse les voitures arrêtées, ralentir la circulation, interdire l'école, ensevelir sous ses volumes mousseux, légèrement phosphorescents, les bacs à sable et la courte pelouse anémiée des petits squares. Chacun y révélait son poids réel. Les merles y laissaient des traces aiguës, qui n'altéraient que superficiellement la belle matière aveuglante et soufflée, légèrement pelucheuse à la surface. Les chiens y enfonçaient les pattes jusqu'au ventre. La petite fille se souvient de sa joie devant la neige, lorsqu'elle tombait avec lenteur sur Odegem, dans un temps différent du nôtre, un temps de majesté, donnant à ceux qui sont sur terre l'impression de s'élever doucement. Elle essayait de saisir avec sa langue cette toile glaciale et fine dont les vitrines n'offraient que l'image épaissie, pauvrement matérielle. Alors un froid pur, sans odeur, montait de la ville. Il allait du bas vers le haut. Les chaussures mettaient du temps à sécher, le soir, sous le jet fixe et fasciné des réverbères, 49 aux endroits où elles n'avaient été ni abîmées ni tassées sur les ferrures des portillons, les appuis de fenêtres, les capots, les rétroviseurs.
Sur les pelouses d'immeubles sans enfants et sans animaux, on voyait les reliques, le délicieux empattement de blancheur crue, cette illusion que donnent seuls des cygnes couchés sur une pelouse, des fleurs trop pâles au crépuscule. Vers cette époque, quand on croisait Saint-Nicolas faisant sa promenade dans le quartier du centre, la petite fille s'arrangeait pour regarder derrière le dos du saint, pour observer le revers de sa barbe. Et elle voyait de beaux cheveux ondulés et violets. Elle savait ainsi que Saint-Nicolas était vrai, contrairement à ce que certains prétendent. Il tendait sa main gantée aux enfants comme un roi et il leur posait des questions sur les cadeaux. Pour observer le revers de sa barbe, et elle voyait de beaux cheveux ondulés et violets. Elle savait ainsi que Saint-Nicolas était vrai, contrairement à ce que certains prétendent. Il tendait sa main gantée aux enfants comme un roi et il leur posait des questions sur les cadeaux qu'ils souhaitaient avoir. Par politesse et par timidité, elle sous-évaluait légèrement ses désirs, n'émettant que des vœux modestes dont, très vite, elle se repentait. Une photographie la représente sur les genoux de Saint-Nicolas dans le hall d'un grand magasin. La bouche du saint sourit, humide et rouge, entre la moustache et la barbe. La petite fille regarde devant elle avec courage, pour ne pas montrer son effroi. Elle fait un petit sourire inquiet et réservé, à la hauteur de la situation cette rencontre au sommet avec Saint-Nicolas. On voit bien qu'elle n'est pas à son aise, elle n'aimait pas jouer au bac de sable, elle ne connaissait pas les autres enfants. Elle ignorait leurs noms, leurs goûts expliquaient et l'odieux leur âge exact, elle n'avait donc... pour leur parler aucune raison valable. D'ailleurs, beaucoup avaient l'air occupés, indifférents. Elle avait peur qu'ils ne se fâchent. Mais les dieux insistaient, « Va jouer. Ne reste pas planté comme un piquet. » Elle lâchait la main à regret, elle empoignait son seau, la mort dans l'âme, et s'approchait à pas prudents de la reine à bordure cimentée en réfléchissant aux moyens de se lier sans risque avec ses congénères. Parfois, de plus petits essayaient de lui prendre son seau et hurlaient. Les congénères creusaient avec entrain le sable au moyen de leurs pelles en plastique. Ils remplissaient les seaux et tapaient dessus pour égaliser la surface. C'était un sable de chantier, humide et brun, lourd à porter, plein de cailloux, un très pauvre égal à eux succédané du sable des plages. L'émotion lui donnait envie de faire pipi. Elle posait son seau dans un coin et attendait en essayant d'un pied sur l'autre. Elle n'adressait jamais la parole la première, estimant plus prudent d'attendre qu'on lui manifeste d'abord de l'intérêt. « Va donc jouer, soupiraient les dieux, ne fais pas ta sotte. » Bras étendus, elle se mettait à marcher en équilibre sur le rebord de la margelle. Elle faisait plusieurs fois le tour sans tomber, courant de plus en plus vite avec une grande adresse. Souvent, elle croisait Marion Van de Keerck et le petit frère qui travaillait à un château. Ils essayaient de limon. Très mal à l'aise, ils observaient l'usurpateur, qui agitait les pieds et regardait dans le vague. On leur montrait la fontanelle mobile et fine comme un goitre. Quelque chose en dessous remuait, le cerveau, ou le sang. Après un temps de silence, l'un d'entre eux demandait poliment, « Comment est-ce qu'ils s'appellent ?» C'étaient les enfants neufs, qui démodaient très vite tous ceux qui existaient depuis un certain temps, la nouvelle génération ambitieuse et criarde qui commençait à parcourir le monde dans de grands landaus bleus marines confortablement suspendus. C'était la nouvelle vague, des adeptes du lagigos, des peluches lavables en machine. Devant eux, on se sentait démoralisé, déjà vieilli, délaissé, les plus vieux s'en allaient regarder les canards, ils admiraient leur couleur verte, leur extrême distinction naturelle. Ils mangeaient leur choco-BN, ils reniaient soigneusement le biscuit par les coins, retardant le moment de goûter au délicieux ciment de chocolat. Sur le bassin du square Fabre-Lespot,
Des cygnes et des canards glissaient dans tous les sens, ouvrant de rides à angles aigus sur la silencieuse verrière de l'eau. L'eau était grise, légèrement plus foncée que le ciel. Les morceaux de pain qu'on y jetait s'environnaient de bulles brillantes. Les cygnes y trempaient le cou. La bête si blanche s'abolissait par la moitié, ne laissait voir que son éblouissante barque de plumes, puis elle ressortait de l'eau noire, recommençait à balancer son cou flexible et rond comme un tuyau. Certains enfants passaient des heures à observer ces mouvements réguliers, entièrement aléatoires, et pourtant d'un très bel effet, ils y puisaient la première intuition de l'harmonieux désordre qui règle l'univers. Au square Fabre-Lespo, on pouvait également rencontrer un satyre. C'était un homme de haute taille, aux yeux clairs, en imperméable. Le plus souvent, il lisait son journal. Mais certains jours, il s'approchait des enfants occupés à tasser le sable du bac et il leur demandait des nouvelles de l'école, des camarades, et même des poésies qu'ils apprenaient. Il proposait aussi des bonbons acidulés à l'oranger du pain, pour nourrir les canards. On n'imaginait pas plus aimable. Certains enfants l'auraient accompagné avec beaucoup de plaisir, mais les mères s'approchaient en hâte. Elles vous attrapaient le poignet, chassaient l'homme, vous entraînaient, et vous réexpliquaient à voix grondeuse et basse tout ce qu'il faut savoir au sujet des satyres. En général, disaient les mères, les satyres sont des gens aimables, ils se promènent toujours aux mêmes endroits, dans les jardins publics, près des écoles et dans les gares, ils offrent des bonbons et essaient d'attirer dans les coins. Mais il ne faut jamais répondre. Car en dépit des apparences, le satyre n'est pas un homme normal, disaient les mères, sans préciser. Dans le monde, on trouve des satyres partout où il y a des enfants. C'est comme les loups pour les agneaux, les chats pour les souris, ou certains hommes pour certaines femmes. Dans le monde, chaque fois qu'une catégorie d'êtres existe, il y en a une autre, spécialement créée pour lui faire du mal. 54 vers la fin de l'après-midi, lorsqu'une raisonnable durée de temps et de respiration d'air frais s'était écoulée, quand tous les nés avaient rougi à cause du froid plutôt piquant, chaque mère appelait son enfant pour lui attacher son bonnet. C'était le signe que la journée était finie. On ramassait les seaux. On quittait les canards. Le square était à l'autre bout de la rue Émile Lebon. Quand on passait la grille, dans le soir encore clair, les réverbères s'allumaient un à un comme des crocus. Leur lumière donnait de la rue une image moins impersonnelle, plus poétique. On remontait le long du trottoir avec le sentiment du devoir accompli. Chacun y avait mis du sien. Les mères vous avaient surveillé en faisant connaissance, en parlant des petites choses qui constituaient leur vie, les rhinopharyngites, les problèmes de croissance et les enfants avaient joué, pas très loin, à portée de voix et de regard. Ils avaient fait des tentatives pour connaître le monde extérieur, quoi qu'il n'en ait, au fond, pas très envie. On rentrait, et on se tenait par la main. Souvent, la dame récitait des fables de La Fontaine, pour faire rire la petite fille. Elle déclamait la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, ou le chat, la belette, et le petit lapin. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva, disait la dame avec emphase. Ou bien, odieux hospitalier que vois-je ici paraître avec une surprise très comique, surtout si on l'imaginait dans la peau de Jeannot Lapin. La petite fille riait beaucoup. Au fond, malgré quelques réserves, la dame était ce qu'elle préférait comme compagnie 55. Elle prenait tout leur temps. Elles achetaient des timbres dans de petits magasins très éclairés qui sentaient le papier journal et le bois. Elles s'arrêtaient devant les vitrines, regardaient les combinaisons, les collants, les soutiens-gorge de dentelle, les tartes aux fraises, les brioches, les éclairs au chocolat. Dans les salons de coiffure, des personnes enveloppées de peignoirs en nylon se dédoublaient dans les miroirs, à l'infini. Les promenades étaient souvent interrompues par des averses. Le ciel devenait noir. Les gens ouvraient leurs parapluies et marchaient vite. V1 tranquillement assise dans la baignoire sabot, le torse immergé dans l'eau claire, comme au jour d'un Saint-Jean-Baptiste, la petite fille faisait nager son canard en plastique. Elle respirait le savon rond et rose, le savon luxe, quelle est la mère, quelle est la fille, ou le savon camet, creusé en son milieu d'une périssable nymphe accoudée à un lavabo odeur de gardénia, ou d'œil à dinde. Elle admirait ses jambes irisées, nimbées de duvet blond, légèrement grossie par l'effet de loupe, et scrutait son nombril, posé au ras de la surface, en équilibre comme un flotteur de bateau. D'allégresse devant sa personne, elle faisait tourner ses bras comme des hélices, projetait des éclaboussures autour de la baignoire, était grondée, fessée, sortie à grand fracas du bain, puis expédiée directement à table.
J'ai plusieurs courses à faire cet après-midi. Tu iras chez Madame Chostova, et j'espère que tu seras polie, que tu feras des efforts. C'est une vieille dame 57, la petite fille ne bronchait pas et continuait à regarder droit devant elle, les poignets posés sur la table de part et d'autre de l'assiette, humide du bain récent, tranche et nette, comme ceux de Cicéron sur les rostres. Elle réussissait à ne pas paraître plus affectée qu'une mule sur laquelle se serait posé un moustique. Elle savait que notre visage est un théâtre sur lequel s'affichent les faiblesses de la nature, et de même, chaque fois qu'on remplissait son assiette d'un aliment qu'elle n'aimait pas, poisson bouilli, viande ou chou-fleur, elle s'exerçait à l'indifférence, elle le détaillait sans broncher, d'un œil froid, objectif, « Tu m'entends ?» répétait la voix, « Est-ce que tu m'écoutes ?» Le couteau rencontrait l'obstacle de la croûte, il y avait un crissement, la croûte s'écaillait, se fissurait par plaques, puis le couteau rentrait dans de la chair spongieuse. C'était l'ami, il s'y enfonçait. De cette silencieuse traversée, dont personne au fond ne saurait jamais rien, car la lame avait entièrement disparu dans la matière molle et spongieuse, se détachait une tartine ronde comme un aérolithe. La tartine était nourrissante, tendre, d'un blanc friable. Le couteau étendait dessus, lissant, égalisant, la crème blanc cassée du beurre, ou la portion triangulaire de vache qui rit. Le tout était offert avec de vives recommandations à la petite fille, une bouchée pour papa, une bouchée pour maman, disaient sévèrement les dieux du monde. La planète ronde de l'œuf tremblotait dans une glaire épaisse. Puis l'œuf grésillait, s'élargissait dans la poêle, s'entourait d'une assiette personnelle, d'un blanc inégal, aux bordures finement calcinées. D'imparfait, de mou, d'animal, l'œuf atteignait alors la perfection, celle d'une belle substance plastifiée, parfaite réussite culinaire, métamorphose baroque, dont la réalisation, courte mais mémorable, éblouissait la petite fille. On détachait l'œuf au plat de la poêle afin de le faire glisser sur son assiette. Mais tant de perfection était trompeur, à peine effleuré de la cuillère, l'œuf se trouait, dégorgeait du jaune, du poussin liquide. Il saignait. La petite fille mangeait, la serviette nouée autour du cou, rebiquant avec grâce sur la nuque en deux petites cornes. Elle poussait d'un côté avec une bouchée de pain, faisant en sorte que l'aliment ainsi cerné, sans le secours des doigts, soit transféré sur sa fourchette. Puis, en fermant les yeux, elle avalait. Entre les plats, elle discutait, en faisant des manières. Elle se plaignait de sa dernière rencontre avec le chien Bibar. On essayait de la raisonner, il arrive que les chiens mordent, reconnaissait Monsieur Aubin, mais beaucoup sont doux et fidèles. Ils sauvent les hommes dans les montagnes, ils guident les aveugles. Pour l'homme, le chien est aussi un ami. Ça m'étonnerait, disait la petite fille, qui faisait preuve, sur la question du chien, d'un persistant obscurantisme. Elle faisait face à son assiette. Le tulle blanc du rideau tombait sur l'appui de fenêtre en marbre, la lumière laiteuse de midi se reflétait sur la faïence. C'était sérieux 59, c'était un duel sans merci. Il fallait absorber le monde. L'extérieur devait devenir l'intérieur. La réalité opaque, multiforme, devait être transformée par le processus de la digestion, devenir une essoie. Il fallait grandir. Pour cette raison, courageusement, la petite fille mangeait du beefsteak et du pain d'épices, des cornichons verts et des crevettes mauves. Elle détachait la tête avec ses yeux bouillis, légèrement exorbités, ses longues antennes incomestibles. Elle évitait de regarder le monstre de trop près et avalait le tout les yeux compris avec la gravité d'une jeune anthropophage. « C'est très bien », disait, pour l'encourager, les dieux du monde. Il y avait malgré tout des compensations agréables, quand, au dessert, on lui proposait des petits suisses. Les dieux les démoulaient avec dextérité, détachaient d'un coup d'ongle leur pansement de cellophane, et ils se révélaient, blancs, lisses, ronds et intacts comme des tours de château fort. La petite fille les admirait, elle en demandait de ce qui permet à l'imagination de reconstruire plus aisément le château médiéval. Puis elle les écrasait, formait un lac de neige, y répandait du sucre. Elle mélangeait blanc et blanc, ton sur ton, crème et sucre. Elle faisait de la crème fouettée. On ne saurait trop rendre grâce pour le petit Suisse, son goût d'un vague exquis qui touche à l'indicible, sa perfection dans l'univers des formes. Il vous laissait la langue rêveuse, sucrée, légèrement pâlie, incertaine d'avoir absorbé quoi que ce fût, et sa matière crémeuse et blanche, plus subtile lidue que ce yaourt, un rien plus fondant et plus grasse,
glissait dans les cavernes rouges du corps, pleines de calcium, de substances saines et nutritives, disaient les dieux. Et sa matière crémeuse et blanche, plus subtile lidu que ce yaourt, un rien plus fondant et plus grasse, glissait dans les cavernes rouges du corps, pleines de calcium, de substances saines et nutritives, disaient les dieux, ravis. Virgule 2 de l'autre côté du palier, derrière une porte peinte en vert, Elena Chostova, lèvres oranges, les yeux fardés d'une ombre mauve qui lui remontait aux sourcils, tricotait dans son fauteuil Voltaire, sous le portrait en pied peint par son fils, Vania, qui la représentait, déjà vieille, en robe noire, barrée d'un sautoir d'or, toujours dans le fauteuil Voltaire. La ressemblance des deux figures avait quelque chose de troublant, qui évoquait vaguement la monarchie. Aussi, Elena Chostova, veuve Chostov, inspirait à la petite fille un respect dévolu, proportionnel à l'étrangeté de son ameublement, au grasseillement de ses paroles, à l'odeur vénérable qui imprégnait ses robes noires. Et lui était en quelque sorte consubstantiel l'odeur de l'huile et du beignet bulgare. Dans un coin de la cuisine, une petite provision de beignet était en permanence tenue au chaud, sous une serviette. Une descente de lit à poils épais imitant la forme d'un ours sortait de sous le lit de la chambre. Dans le couloir, il y avait peu de lumière, tous les sens en éveil, la petite fille y sonnait, franchissait l'odorante frontière qui séparait l'odeur de l'huile de l'odeur du palier. Puis elle tendait le front en avant comme une chèvre, recevait un baiser, s'essuyait d'un revers de main, s'asseyait aux pieds des deux dames Chostova, la vivante et la péinte, et demandait, très vite, « 61 quand est-ce que Vania va venir ?» La pièce avait des rideaux sombres. Au mur, on pouvait voir des sabres courbes aux manches ciselées, plusieurs photographies du défunt général Chostov, et un Christ jaune, d'appel lugubre, dans son cadre d'argent martelé. Le Christ levait deux doigts. Le général photographié, souriant, était posé sur le buffet. Le piétinement de la trotteuse d'une pendule paraissait se communiquer à son buste. Sur les murs des côtés alternaient plusieurs compositions de Vania, des collines et des arbres mauves. Des femmes nues plus ou moins déformées, des navires dans la tempête. Beaucoup d'après-midi passèrent ainsi, les longs après-midi d'enfance, découpés dans l'hiver. Elena Chostova tricotait des poules pour son fils ou des napperons pour décorer sa bonnetière. Plus bas, sur le tapis, à hauteur de ses chevilles, la petite fille élevait des autels de cubes, malaxait sa pâte à modeler, s'ennuyait, tout en surveillant au-dessus une aile gigantesque promontoire, vue du tapis. Elena Chostova pouvait ressembler à une île paysage accidenté. Sa poitrine descendait jusqu'au milieu du ventre. En tricotant, elle racontait des souvenirs de son pays, la Bulgarie, dont elle s'était enfuie avec son fils à l'arrivée des communistes. Son mari, le glorieux général Chostov, était mort fusillé. Suivait un petit silence assez mélancolique. « Tu l'aimais ?» demandait la petite fille, toujours soucieuse d'avoir les idées claires. « Bien sûr, » disait Elena Chostova, elle soupirait, « la politique. » Tout est à cause de ça. On était si heureux avant. On était libres. Tous les étés, on 62 allait à Varna, dans notre maison de Varna. Varnia, c'est au bord de la mer. Les maisons sont de toutes les couleurs. Les yaourts se fabriquent tout seuls. Il suffit de laisser un pot de lait dehors, sur un appui de fenêtre. Le lait devient yaourt. C'est ça la Bulgarie. C'est moi qui te le dis. Si j'en tenais un, là, de communiste, je te lui enfoncerai mon couteau dans le ventre. Je te lui arracherai les tripes, ça ne traînerait pas. Comme ça, de sa main armée d'une aiguille, elle faisait dans le vide un petit cercle, ardent et convulsif. Puis, ayant embroché virtuellement le communiste, elle reprenait sa maille, tirait le fil, le faisait remonter d'une rotation du petit doigt. Les communistes, ça ne croit à rien,
Ça ne croit qu'à la révolution, à la matière. Moi, je crois au Christ, et elle montrait, à côté d'elle, sur l'icône, la longue figure jaune, à la barbe maigre et pointue de Raskolnikov famélique, qui levait deux doigts. Trois, quand est-ce que Vania va venir, demandait la petite fille prudemment, pour changer de sujet. Plus tard, je l'épouserai, comme tu veux, mais tu ne feras pas une grosse acquisition, car, c'est moi qui te le dis, il est feignant comme une couleuvre. En attendant, on va goûter, il est 4 heures. Elle se levait lourdement, posait le tricot, enfilait ses pantoufles décorées de pompons duvet, puis, assise sur des tabourets, elle mangeait les beignets bulgares, cérémonieuse et les doigts gras. Elle rêvait à l'épouse réelle et à l'épouse imaginaire. Elles étaient pleines de pensées vagues, de pensées nobles, de pensées tristes. Un loukoum proposait Elena Shostova, avant de s'emparer d'une boîte posée en évidence sur son plateau de cuivre. La petite fille acceptait le loukoum, un sucre fin lambu et comme une poussière. Il enrobait la belle couleur qu'on devinait en dessous, très sombre, riche couleur foncée de pierres précieuses de grenate, de vitrail, surprenante quand on le posait à la consistance de caoutchouc. Ayant mâché avec vénération le loukoum, sans savoir où poser ses doigts, recouverts de fine farine, pleine de scrupules inouïs, la petite fille s'absorbait dans une digestion orientale, tandis qu'Elena Shostova, les narines dilatées de gourmandise et de colère patriotique, plongeait une nouvelle fois dans la boîte sa main grasse décorée d'une bague en losange, saisissait un autre loukoum, le portait à ses lèvres oranges. Pas une friandise du monde occidental n'approche la perfection du loukoum, son exceptionnelle suavité, sa densité en sucre, mis à part la dragée peut-être. Mais ça fait mal aux dents, c'est dur. Elle rêvait un peu, finissait, évasive, royale, le loukoum à la rose, surtout, tandis que la petite fille, après avoir agité pendant quelque temps le dilemme, frottait discrètement ses doigts poisseux sur le tapis. Rien ne bougeait. On entendait toujours la palpitation de la pendule posée au bord de la photo du général. Ou c'était la musique d'un orgue de barbarie qui venait jouer au coin de la rue pour alléger cet immense ennui des enfants, celui des ménagères, des personnes d'âge de ce quartier, et même des chats. Des rideaux se soulevaient discrètement à quelques étages, vers 6 heures, au moment où Mr. Johnson arrêtait sa voiture à l'angle du carrefour, quelques enfants des grands couraient vers le marchand de glace. On le voyait d'en haut se pencher, déposer dans les mains tendues un inotinine à la vanille. Tout à coup, les réverbères s'allumaient. Ils découpaient des bandes brillantes et alternées sur le trottoir. Ils éclairaient en jaune la neige sale ou les tas de feuilles sèches. La dentelle qui pendait des doigts de Madame Shostova devenait un peu trop blanche, de la couleur des revenants. Toujours depuis, quand elle voit cette blancheur des choses dans le noir, la petite fille se souvient d'elle, de ses beignets, de ses loukoums, et de son Christ au visage jaune, à la barbe maigre et pointue de Raskolnikov révolutionnaire. Il doit y avoir longtemps qu'elle est morte, rejoignant l'époux glorieux, enterré dans un petit cimetière d'eau d'Ergem, au nom flamand, imprononçable, que fait Vania, demandait la petite fille. Je ne sais pas, mon lapin, il ne prévient jamais. Il traîne, il court après les filles. Et ainsi elles restaient, toutes les deux. Elles attendaient Vania. Et pareillement plus tard, chaque fois que la petite fille aimera, son cœur retrouvera la même fine angoisse. Il tressautera au moindre coup de téléphone comme jadis au moment où la clé entrait dans la serrure, et, inévitablement, il sera déçu. Car ceux qu'on aime 65 n'appellent pas. Pour ceux qui aiment, il ne reste à tout jamais que l'enfance, son attente vague, sa solitude. Vania avait des cheveux noirs longs et brillants, des dents blanches, il portait des bagues, il souriait presque toujours et n'avait pas de travail précis. Selon Monsieur Aubin, avec ses cheveux longs, Vania Shostov appartenait à cette catégorie d'êtres fabuleux que la petite fille vénérait secrètement. Les hippies, quelle heure est-il, disait sa mère, à intervalles. Peindre, ça n'a jamais été une solution, je lui ai dit 1000 fois. Surtout quand on est loin de son pays, ça me donne du souci, je voudrais tellement qu'il travaille. La petite fille se hissait sur l'appui de fenêtre, sans répondre. Sa bouche formait un rond de buée très tendre sur la vitre, elle y traçait un V, et elle dessinait à côté un cœur aux bords épais dans lequel elle plantait une flèche. La flèche était profilée de biais. La masse charnue du cœur en dissimulait une partie. La flèche dans le cœur,
C'est la première idée de la perspective 4 Vanilla Pain, Yvan est son vrai nom. Tout comme un ventre d'escargot laisse sa bave, le pinceau gras dépose une trace noire et précise qui descend de bien en travers de la toile. La rue peintre semble à un ruisseau. Il manque beaucoup de petits détails. Debout à côté de Vanilla, ventre en avant, la petite fille regarde. Elle regarde Vanilla, fixée dans une stupeur d'admiration et d'incrédulité, et l'absorbe, un hippie. Elle en rit silencieusement de plaisir. Dans ses yeux, probablement, les pupilles noires se rétrécissent, une double image de Vanilla s'y inscrit. Ventre en avant, reniflant avidement la palette où brillent des tourtillons de peinture grâce au délicieux parfum de térébenthine, la petite fille le fixe ingénument, passionnément, comme la fixe parfois, elle-même, dans la cour de récréation. Les plus petits, tu veux ma photo, profère alors superbement la petite fille à l'être fascinée, indiscret et minable, mais Vanilla lui sourit. Ça te plaît, demande-t-il. Ça lui plaisait modérément. Vanilla avait encore beaucoup de progrès à faire, se disait-elle, en détaillant les cubes dissymétriques de couleur rouge à quoi se réduisait la rue, et le bleu violent du ciel, alors que le ciel de cette rue était le plus souvent d'un gris pâle. Si pâle qu'on pouvait se demander s'il existait en tant que ciel, s'il était légitime de lui donner un nom, si la catégorie « ciel bleu » dans ce pays du Nord existait vraiment, si ce n'était pas plutôt un genre de cendre. Comme celle des écrans de télévision que traversaient les avions et les merles, c'est assez beau, concéda-t-elle, aimablement. C'est difficile à faire, ces efforts ne servirent à rien, car Vanilla était tombé amoureux d'une autre, une étudiante à mobilette et queue de cheval, qui habitait de l'autre côté de la rue, au numéro 144. La petite fille dut se contenter du rôle de confidente, très honorée, pourtant un rien déçu. Elle est très belle, confiait Vanilla, qui avait entamé une série de tableaux représentant la façade du 144, dans l'espoir de trouver un prétexte. Vraiment belle, tu ne trouves pas? En plus, elle est certainement intelligente. Elle étudie. Pousse-toi un peu vers la droite. Tu ne vois pas que tu me fais de l'ombre? Si, disait avec mauvaise grâce la petite fille. Elle fermait la bouche avec soin, respirait par le nez pour avoir l'air intelligent. Mais la lutte était inégale. Vanilla ne voyait que l'autre. Il la guettait le soir de sa fenêtre, en essayant de lui faire des signes. Mais elle tirait le rideau sans le voir, fermant le bow window autour de la lumière dorée d'une lampe qui devait éclairer ses devoirs. Il y avait, vis-à-vis de la fenêtre où Florine se mettait, un cyprès d'une hauteur prodigieuse. L'oiseau bleu vint s'y percher. Il lui disait adorable Florine, merveille de nos jours, vos mots ne sont point sans remède. Et qui me parle, un roi malheureux qui vous aime, au lieu de rester planté comme un piquet, tu pourrais peut-être m'aider, avait fini par suggérer Vanilla. Va donc la surveiller de chez toi. On a une meilleure vue des fenêtres de ta cuisine. La petite fille avait pris un air réfléchi, son air de bonne élève. Son regard était allé du tableau que peignait Vanilla à la rue. Elle avait pris une grande inspiration et avait dit, par désespoir, ta mère a dit que tu étais feignant comme une quatre couleuvre. Elle maïs Vanilla s'était mise en colère. Vanilla était artiste. Il avait expliqué que la petite fille pouvait lui rendre le service de le laisser tranquille, au lieu de faire de l'ombre, de gêner le travail, au lieu de raconter n'importe quoi. Cette petite fille, un vrai microbe. Elle qui de toute façon ne pouvait rien comprendre à la peinture et qui ne finissait même pas son bol de lait, c'était du moins ce qu'il avait entendu dire. Or, comment voulait-on qu'une enfant qui ne boit pas de lait puisse avoir un esprit développé? Il était même possible qu'elle n'ait jamais de poitrine, qu'elle reste toute sa vie plate comme une sardine, avait insinué Vanilla, en esquissant un châble pâle, géométrique, un vrai défi à la nature, très éloigné du modèle du veteux, tout en gora, qui sommeillait quelques étages en dessous des fenêtres de sa bien-aimée. Car, avait ajouté Vanilla, en gratifiant le chat du bow window d'une moustache disproportionnée, qu'est-ce qui remplit la poitrine? Je te le demande, via Audergem, dans les années 60, vers ce moment où la ville s'emplissait de fumée, de brouillard, les enfants sortaient des immeubles, tôt le matin, un certain jour, à peu près vers l'époque des marrons, ils portaient à la main, ou fixés dans le dos, leur cartable neuf. Ils ressemblaient aux nains de Blanche-Neige, avec leur hotte. On voyait, sous leurs cheveux courts, les nuques blanches qui avaient échappé aux halles de l'été, contrastant avec les visages légèrement anxieux et légèrement bruns. Ils étaient allés à la mer,
Ils avaient couru presque nus sur le sable et ils avaient changé. Leur bonne mine faisait la fierté familiale. Ils ressentaient, en se retrouvant, une certaine gêne, car ils présentaient des apparences neuves et, souvent même, des dents en moins. En souvenir, les dents perdues étaient conservées dans des boîtes. On leur avait coupé les cheveux, on leur avait mis des bandeaux qui tiraient les mèches en arrière, on leur avait fait boire des bols d'ovomaltine, des bols de cacao 70, on les avait trahis. Ils montaient dans les cars de ramassage scolaire. Beaucoup pleuraient. Les cartables étaient bourrés de livres recouverts de papier plastifié. Histoire, géographie, grammaire blend, j'apprends le calcul. Les trousses étaient la plupart du temps écossaises à fermeture éclair. On avait des gommes bicolores et des bics, des compas en inox, de beaux buvards veinés comme des morceaux de marbre, des décimètres gradués, en plexiglas ou en bois. Les cahiers de leçons de choses comportaient entre leurs deux pages cartonnées à feuilles de papier de soie qui, au fil des trimestres, emburaient légèrement les représentations des grands mystères de la nature. Des dessins qu'on mettait des heures à réaliser, les coupes longitudinales d'abdomens humains, de haricots germés, le système digestif des mammifères. On coloriait dans les heures muettes. On mettait de la couleur partout. Le monde est beau et coloré. On dépassait. On n'arrivait jamais vraiment à contenir la couleur dans les limites des choses et des êtres. On apprenait par cœur les poèmes de Maurice Carême, l'Anne Sido de Francis Jamme, et Automne de Victor Hugo. Les hirondelles sont parties, le brin d'herbe a froid sur les toits, il pleut sur les touffes d'orties, bon bûcheron coupe du bois, virgule justement. Dehors, il pleuvait. Les poètes avaient raison.